Septième âge, Radio Évangélique d'Haïti. Papi, qu'est-ce que c'est le septième âge là? C'est une radio qui vient annoncer deuxième venue Jésus-Christ et expliquer chrétiens yo cet âge l'église. Radio, ça va bien l'autre mission? Oh oui, chaque jour, on a bien une émission évangélique qui a partagé en trois parties. Comment y a-t-il? Première, c'est Pèlerin Terrestre. Deuxième, non, c'est Salon Spirituel. Troisième, non, c'est Détente Spirituelle. Papi, moi, t'as même connu l'autre émission. A bien une émission santé qui a brûlé en nous parler santé. Émission service qui a brûlé Vin nous garder ensemble parce que pas de nation sans famille organisée. Qu'est-ce que ça pour nous faire pour nous jouer une émission ça? Chaque monde a abonné pour y inscrit sur page radio qui c'est www.rehradio.com. Bon Dieu béni l'église. Frère Joe, c'est anglais ou parlez qu'on y a? Oui, grâce à 7e âge Radio Évangélique d'Haïti, toute porte l'école qui apprend mon anglais met ferme. Pour qui ça? Eh bien, les abonnés sur Radio ça, c'est ouais là-bas l'évangile en anglais qui a traduit en créole, ou bien l'évangile en créole qui a traduit en anglais. Laisse ça ou prend note et puis même connaissance ou vin en pile en anglais. Est-ce que ou ka ban mieux ou service? Mais oui, dimanche matin, après live Assemblée Jardinio, ou a branché sous l'église ça et nan aswe à 6h PM nan même dimanche là, mardi soir 7h PM et jeudi soir 7h PM. Comment assemblée ça relé Frère Joe? Le relé Bride of Christ Tabernacle. Ça veut dire tabernacle épouse Christ là. Eh bien, nous n'anglais net voué. Bon Dieu, c'est pas facile ou avoir une radio qui a une plateforme parle. Google c'est nous, YouTube c'est nous, Facebook nous la pirade. Eh bien, mal abonné sur YouTube. Merci en pile, Frère Joe. God bless you. Bon Dieu béni, Frère Joe. Douze, eh bien, il y a pas près 13e monde. Si y a deux à présent, il y a près deux monde qui viennent après 12e monde. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ béni au richement. Nous espérons là que tout bagay ok. Sœur Annette Charistil bénéficie ça aujourd'hui. Sœur Annette bénéficie ça, Sœur Wismine bénéficie ça. Voilà, c'est deux mounes qui étaient en 13e et 14e position. Et là, ils ont monté parce que il y a deux mounes dans 12 là. Mais qui est laissé et placé, et nous bénis le nom du Seigneur, et nous bénis et nous bien-aimés et pour cela. Nous continuons bien sûr avec les salutations, et nous allons aller directement avec Sœur Non, Sœur Amanda Cado, Sœur Nadine Pluviose, Sœur Ilmen Saint-Félix Descayettes, Sœur Bounia Charles, Sœur Ifania Jean-Baptiste, Emmanuel Sevrin, Marie Mertil, Joseph, Franzi Mésidor, Solens Maximé, eh bien, Gerda Guillaume, salutations à frère Régent Robin, frère Élie Derima, bénédiction et salutations à sœur Taïcha Vincent, frère Alain Charles, Jésus-Christ béni aux précieuses, sœur Barbara Seraph, salutations à frère Zachary Sully, et que Jésus-Christ bénit, au frère Samuel Portal, bon Dieu bénit au richement, Auxilien Fermitus, bon Dieu bénit aux précieuses, Marie-Carmel Dumersin, shalom, shalom, précieuse sœur, Yolanda Vilsin, Gérard Étienne, Désir Jean-Wilson, Paralène Dessauce, et salutations à sœur Stéphane Dossou, Watcherly Dorsey, Andréna Germain, bon Dieu bénit au richement, chère sœur. Et donc, Carl Dossou, bon Dieu bénit au
Shalom, shalom à frère Karl Dosso. Nous avons salué aussi frère Gary Exama, sœur Agathe Louis. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, sœur Myriam Ossé, sœur Rénal Jocelyn. Et nous avons salué aussi la sœur Pologe d'Haïti. Stanley Cherestal, Jésus-Christ béni. Nous saluons aussi sœur Marlène Zélé, sœur nous, sœur Berthe Logan, Jésus-Christ béni. Sœur Yvely Joseph, frère Jonas Modéus, sœur Dionane Félix, bon Dieu béni. Rosemonde Brice, sœur Adeline Dor, Jésus-Christ béni. Frère Markinson Libertin, sœur Carline Charles, salutations à sœur Aveni Charlot, Géraldine Ménard, Nadia Ménard Romain, bon Dieu béni, Marie-Hollande Chérubin, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, abondamment et sans camper. Salutations à frère Jackson Simon et tout auditeur, auditrice cap coûté nous sur eh bien Radio 7e âge évangélique d'Haïti et tout saint saio qui là-bas nous saluons et bénissons au nom de Jésus-Christ notre sauveur. Baudelaire Jean-Noël, Vladimir Lormil, Jean-Claude Joseph, Jonas Limera, Charles Leximène, Jésus-Christ bénisse richement, abondamment et sans camper. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse aujourd'hui, hein, pas oublier, c'est lundi, c'est normalement jour de rubrique santé. Nous gagnons rubrique santé aujourd'hui, hein, eh bien, qui a apporté à nous-mêmes, à notre frère Ricardo et Baron, psychologue de son état. Eh bien, nous bénis et frère nous, et nous, eh bien, à pas inviter et tout auditoire nous, hein, et à prendre disposition pour y recevoir, eh bien, frère nous, frère Baron, dans la rubrique et santé à Jodia. Il va parler avec nous sur le sujet Sarah que n'a pas partagé avec vous. C'est bien sûr psychose puis péral on va être comme ça que le Seigneur Jésus-Christ bénit nos richement nous inviter eh bien disposer ou tandis que nous pourrons recevoir notre frère Ricardo Baron dans eh bien rubrique santé nous aujourd'hui. Sans transition, vraiment, sans transition, avec nos frères Ricardo Baron dans la rubrique Santé. Un instant, ok, voilà. Mes frères et sœurs et amis du salon, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous richement, abondamment et sans arrêt. Je dis à notre rubrique santé, nous allons parler d'une maladie mentale qui est la psychose virale. Vous allez le constater, maladie ça, vous allez le nom psychose postpartum ou bien encore vous allez le psychose postnatal. Donc, tous les trois expressions ça, ou bien mots ça, concepts ça, comme je dis là, c'est toujours yo parler de non même maladie. Psychose puerpérale, psychose postpartum ou encore psychose postnatale. Le parler de postnatal, c'est après la naissance. Donc, quand une femme qui a porté bébé ou bien qui est enceinte, gagne trois gros périodes. Gagne prénatal, donc avant la naissance, c'est période grossesse là. Ou bien néonatal pendant la naissance et quelques heures qui suivent naissance là, il y a les périodes ça, période néonatale. Et puis ou bien quelques jours bien quelques mois qui suivent naissance là, il y a dit postnatal. Eh bien, psychose puerpérale là, c'est une maladie grave, c'est un trouble psychiatrique qui vini kay femme peu de temps après que l'accoucher. Il capable vini peu de temps après que fin accoucher
qu'on s'attoule capable venir quelques mois après. Le femme ça y a un problème psychiatrique ou bien y a pas l'empile, y a une série de signes et symptômes qui montrent que y a un trouble. Ou entendez que parents ou bien moun kap occupé de femme ça gagné modèle explicatif ça à savoir c'est lettre qui tombé dans boyol. Mais femme dire que si on maladie mentale qui grave et c'est nous pral découvrir facteur qui cause ça. Avant que nous garde facteur yo, on nous garde symptômes yo. Symptômes si cause pour le péralan li kon grave, li kon inclut des hallucinations. Hallucinations auditives, moun entend des bagay que l'autre moun pa tande. Des hallucinations visuelles, moun nan wè bagay que l'autre moun pa wè. Des hallucinations tactiles, donc sous col, li di ou li senti bête ou bien senti bagay k'ap mache, mais ou même qui a observé ou pa remarqué anyen, pourtant moun nan li senti. Donc perception moun nan li vraiment altéré. Ou genye également des délires que moun sa kon présenté comme symptômes. Li kon genye des croyances fausses ou bien des croyances déformées ou kon assisté à des troubles de l'humeur comme yon euphorie que moun sa capable présenter ou bien yon certaine irritabilité. Symptômes toujours. Moun sa, ou bien femme sa ki genye un trou et psychose pou elpéral la, li kon présenté comme symptôme des troubles du sommeil, yon sorte d'agitation, une confusion et des pensées suicidaires ou homicidaires. Donc moun sa kon genye des confusions mentales et li kon ap di pitol te mouri, l'envie mouri, li kon genye des pensées homicidaires, à savoir li kon même vle tuer bébé. Donc maladie ça c'est pas toute femme jeune capable constater depuis femme enceinte li pral faire non mais il remarque que prévalence là c'est une à deux femmes sur chaque 1000 femmes qui accouché gagnon graine ou bien deux graines qui capable présenter maladie mentale ça. Qui ça qui cause li? Eh bien, cause là li multifactoriel parce que li implique des facteurs biologiques, des facteurs hormonaux ou génétiques et puis des facteurs environnementaux. Donc, ensemble de facteurs ça yo, c'est yo qui déclenche si cause là. Nous gagnons comme traitement que qu'on fait pour moun ki gagnent psychose pour elpiral, c'est courir mener moun sa l'hôpital pour hospitaliser li, pour sécuriser maman avec bébé. Ensuite, yo kon bay avec femme sa ki gagnent psychose pour elpiral là des antipsychotiques. Antipsychotiques là c'est des médicaments qui pour combattre psychose là. Ensuite, de médicaments, il y a également les traitements psychothérapeutiques. Donc, nous qu'on accompagne aux psychologues et psychiatres et autres professionnels de santé mentale qu'on accompagne comme ça pour aider la rétablir rapidement. Technique ça utilisé pour stabiliser symptômes et favoriser récupération. N'oubliez pas, maladie ça li gen impact sou maman, li gen impact sou bébé. Par exemple, maman si médicament si maladie ça pas traité rapidement, maman capable maltraiter bébé. Li capable pas prendre soin, pas vle bal tété et ça qui kon rive qui kon pi grave, c'est que maman li kon même envie touye bébé. Donc bébé a tout qu'on subit ça crée négligence. Donc le fait que maman est malade, j'en peut ta prendre soin bébé a, eh bien ça capable faire que il pas porter toute assistance que un petit monde qui fait né ou bien quelques mois après j'en ta supposé assister bébé a,
Donc, il n'est pas apte pour faire comme ça. Ça vient de gagner une sorte de négligence que bébé a lui-même vient de subir. Dans le moment où moun sa gagne psychose pour le pérale là, si gon bagay qui est essentiel que le besoin, c'est ça qui relè soutien. Soutien li essentiel pour femme nan qui gagne psychose là. Soutien médical, donc accompagnement médical, ou gagne soutien émotionnel et social pour permettre que le capable rétablir rapidement. Soutien émotionnel et social là, c'est toute forme de support que parents, mari et amis, famille capable porter pour aider le traverser épreuve là. Donc, nous parlons de soutien émotionnel et social. Soutien émotionnel là tout, il est capable soutien professionnel et un professionnel dans santé mentale. Donc, partenaire, membre famille, amis, yo joue un rôle crucial pour aider maman qui a fait face avec psychose pour le péril là pour traverser période difficile ça. Donc, ça que nous devons connaître en résumé, psychose puerpérale là, c'est un trouble psychiatrique qui grave, qui nécessite une attention médicale immédiate. Et pour que moun nan jwenn traitement qui est approprié pour lui, ou bien capable di un traitement adéquat. Li besoin soutien famille pour permettre que li capable et reprendre rapidement pour lui retourner en activité et prendre soin bébé normalement. Donc, c'était petit point ça que je voulais partager ensemble avec vous. C'est une maladie mentale que femme qu'on gagne après que au fin accoucher. Mais c'est pas seul trouble ça qui existait après que on femme fin accoucher. Ben voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous richement, abondamment et sans arrêt. Shalom. Merci en pile doc Ricardo et Baron. Mes amis, n'a pas comprendre chaque jour puis plus que gen pile bagay que nous et fait face avec yo. C'est pas toujours ça nous comprendre, c'est pas toujours ça nous penser à. Eh bien nous apprenons en pile moi-même personnellement avec doc Baron. Qu'il y a là de monde au connoué qui juste a fonctionné là mais qui paraît un petit peu différent par rapport eh bien c'est leur bien tendé et leur tendé spécialiste quoi comprendre c'est malade monde ça malade c'est pas aucun complexe il y a des maladies que monde il y a des maladies mentales mon a souffri un bel bal tel type de comportement ou capable comportement ça c'est au niveau de prudence excessive mais oui yon prudence excessive yon propreté excessif donc ça veut dire mon a exagéré gon bagay li prend li aller à l'extrême la donne. Donc là où même si on pas bien comprendre ou qu'a gagne toute qualité problème avec moun sa pourtant son moun qui besoin assistance son moun qui besoin soutien son moun qui besoin qu'on comprenne ni et que ou eh bien assister la nagent capable parce que là moun nan état normal li
il fonctionnait de manière équilibrée. Donc l'excès, dès qu'on monde a fait excès non bagay, les gros problèmes. Donc son problème, c'est peut-être un problème mental. Mais oui. Donc li bon pour nous connaître bagay ça. Donc nous toujours tendé depuis une petite dans des bagay ça yo, l'être tomber dans boyo entel. Donc mon jeune nourrice, li prend la rue, et c'est l'être là qui monter dans tête li. Et puis le parti là, donc problème. Voilà, et bagay yo gen l'autre sens, yo gen l'autre explication. Donc nous remercier et frère nous pour ça. Que Jésus-Christ bénisse richement aujourd'hui, hein, c'est lundi et comme et d'habitude, donc nous t'es content et tendez et frère nous, frère Ricardo Baron qui est bien à partager nos connaissances dans ça li apprendre et nous bénis frère nous reconnaissant envers le Seigneur et envers notre frère psychologue qui est bien t'est passé ouais nous jodi a encore. Maintenant nous pral passer avec et rubrique anniversaire là nous et pratiquement et donc quoi nous gagnons et des bien-aimés là qui a fêté un nouveau printemps nous pour aller fêter avec eux. Jeudi c'est l'anniversaire de sœur Toto Auguste, c'est anniversaire mariage frère nous frère Johnson Célestin et de sa femme Cherline Charles Célestin. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa bien-aimée, que lui rempli de son Saint-Esprit et que lui baille et la grâce pour yo capable continuer là et vivre plusieurs nouveaux printemps encore. Amen. Nous pour aller tout de suite directement et prier pour yo question pour nous aller très vite là et à la parole et pour nous eh bien, baille, écoute-nous là à la parole du Seigneur. Nous invitons, eh bien, uniquement avec nous pour nous prier pour Sœur Toto Auguste, Frère Johnson Célestin avec Madame Nick a fêté un nouveau printemps, ainsi que, eh bien, Frère Fritson Lafleur qui, eh bien, a pas fêté anniversaire et je vous dis à tout. À nous ensemble prier pour bien aimer ça. Rédempteur béni, notre roi, notre maître, nous levons main nous vers vous-même, Saint-Père, pour toujours signifier que nous dépendons de vous, que nous, Seigneur, au Dieu placé, confiance nous dans vous et dans vous seul. Et Saint-Père, nous levons devant vous, Saint-Père, au Dieu sœur, nous sœur Toto Auguste, frère Johnson, Célestin et sa femme, a fêté un nouveau printemps, un mariage, et puis frère Fritson, la fleur, nous levons au Dieu, sa bien-aimée devant vous. Nous prions, Père, qu'on recevoir pour nos seigneurs à ton hôtel, tandis que nous portons pour être reconsacrés à toi. Nous portons, Saint-Père, au Dieu, pour que, Père, la grâce, nous sommes capables de renouveler grâce envers vous, renouveler Saint-Esprit dans nous, et que, Seigneur, ton sceau soit placé, Seigneur, au Dieu, sur le front de chacun d'eux, dans l'âme de chacun d'eux, que tout est capable de sceller à l'intérieur de ton royaume, et que, Père, au Dieu tout puissant, ô Dieu, lorsque bientôt le train de l'enlèvement passera, et que Seigneur, aucun de sa bien-aimée ne soit laissé derrière. Que Seigneur, dans grâce où, ou capable de bailler ce qu'il faut, bailler ça que vous manquez, dans l'occasion nouveau printemps, ça. Ou que Père, ô Dieu, capable de servir, comme jamais, y'a pas de coffel auparavant. Que chacun est capable de recevoir le Saint-Esprit, oh Dieu, pour continuer à marcher, pour continuer à faire volonté, pour bonifier, Seigneur, marche, la vie, sublime dans devant, dans faire ça qui doit, ça qui est juste pour le royaume de ta gloire. Nous remettons nos mains, nous reconsacrons à nous-mêmes, et que Seigneur, ton manteau protecteur, oh Dieu, capable d'envelopper, et famille, Seigneur, tout ça que vous avez, nous placer, Seigneur, sur ton autel, et garder, au Père, comme la prunelle de ton œil, et que Seigneur, oh Dieu, Saint-Esprit, oh, capable de remplir et sceller chacun de vous. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre roi et maître, qui vit et qui règne au siècle des siècles, que nous prions, Saint-Père. Amen. Alléluia. Maintenant, pendant que nous ensemble, nous invitons, et chaque mère de famille, chaque père de famille, au même tour qui aspirait à être maman,
ou même qui aspirez pour vin papa, nous invitez-vous, eh bien, à nous ensemble. Et fait un grand cercle de prière, et côté nous pral placer, en dansant ça, le petit Widmayer, Jean-Charles, eh bien, un bébé de 2 ans qui gagne une grosse infection dans les oreilles, un gros, on met pour le jeune nous dit là, une grosse infection dans les oreilles, ça qui déjà affecté les yeux et qui, eh bien, probablement, et fait un pile de dégâts. Namando ou même maman avec les entrailles de miséricorde. Imaginez et que c'est où que tu es en place, maman petite ça, c'est où que tu es en place, papa petite ça, eh bien, n'a pas invité ou. Eh bien, utilisez entrailles ou entrailles maman ou, et imposez tête ou les mains pour que ce démon qui vient pour aller avec la vie, Timoun ça, aller pour venir pour ravager cerveau, venir pour ravager yeux, les oreilles. À nous allons implorer la grâce de Dieu ensemble. Le prophète de Dieu nous dit, si en priant pour une personne, nous pas qu'à sentir suffisamment de compassion, nous pas qu'à sentir suffisamment entrailles miséricorde nous, nous pas qu'à ému pour moun ça, mais ça ne marchera pas. Nous pas quoi dans prière machinale, nous pas quoi dans prière mécanique, nous pas quoi dans prière réflexe. Nous quoi en prière qui fait avec entrailles miséricorde. À nous aller, vous avez reçu l'autorité de Jésus-Christ pour délivrer. Vous avez reçu le pouvoir de lier et de délier. Utilisez pouvoir ça à soir pour délivrer petite ça. Utilisez pouvoir ça pour délivrer et timon ça. En allemand de bon Dieu grâce à miséricorde. En allemand à libérer. L'épouse a maintenant même sur la terre le pouvoir de lier et de délier. Ou capable libérer timon ça. On va le faire ça ensemble. On va prier pour ti Widmayer, Widmayer Jean-Charles. C'est notre monde ça qui a une grosse infection dans les oreilles et qui a déjà affecté les yeux ou à comprendre ça, ça veut dire. Nous ensemble prier et nous savons que notre Dieu, lui-même qui t'a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, eh bien, il a restauré les oreilles de monde ça, il a restauré les yeux, il a restauré tout dégât, eh bien, que infection ça, ce démon est déjà fait dans la tête de monde ça. À nous prier le Seigneur ensemble. À nous lever main nous vers le ciel. Mettez vos mains sous vos oreilles et levez vos mains vers le ciel pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour cet enfant. Divin Maître, auteur de la vie éternelle, tu es le Dieu Tout-Puissant. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu étais ici sur terre, où tu as gagné un ami ou un Lazare, au Dieu qui t'est mouru, Seigneur, au Dieu, lorsque tu as parlé de ça avec tes disciples, où tu as dit notre ami Lazare dort. Au Dieu, au Père, aujourd'hui à Saint-Père, où c'est le même, au Dieu, même Dieu qui t'est ressuscité Lazare après 4 jours au tombeau, Seigneur, ou capable de restaurer, ou capable de réparer, et Seigneur, dégâts qui causaient dans les oreilles, dans les yeux, et probablement, Seigneur, ou dans toute partie intérieure, au Dieu, bon tête, Timoun, ça, ou capable de réparer, ou capable de restaurer, et au Dieu, et tout cela. Nous imposons, Seigneur, les mains au Dieu Tout-Puissant à tête, nous. Nous imposons main nous sous tête, nous, et nous levons main nous vers nous-mêmes pour nous dire, Seigneur, pendant que nous appliquons parole, nous levons main nous vers vous pour nous dire que cette famille, cet enfant, oh Dieu, il compte sous secours, il compte sous grâce, et avec cœur nous, avec âme nous, tout ça nous gagne, Seigneur, éternel, oh Dieu, oh Père, comme, oh Dieu, force, comme sincérité, et comme, Seigneur, compassion,
nous déposer là devant sur l'autel pour demander au soit compatissant et soit miséricordieux et Seigneur par pouvoir, par autorité qu'on délégue à ton église, qu'on délégue à chacun de nous ce soir dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et nous ordonner que cette corruption qui s'est installée dans l'oreille de Widmeyer Jean-Charles, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le grand ressuscité, le vainqueur de la mort, le vainqueur de la maladie, nous proclamer au nom de Jésus-Christ que Seigneur, oh Dieu, cette corruption, oh cette puanteur, cette corruption, eh bien qu'elle s'en aille au nom de Jésus-Christ et que l'ange de la guérison divine capable de restaurer les cellules qui t'est tombées en pourriture, les cellules qui t'est tombées au de putréfaction, que restaurer, que bois régénéré et que j'aurai la Seigneur, oh Dieu guéri et reprenne, oh Dieu fonctionnement au nom de Jésus-Christ et que yeux reprenne Seigneur, oh Dieu état normal au nom de Jésus-Christ et tout dégât qui t'est causé Seigneur, oh Dieu dans la tête, oh Dieu de cet enfant, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, nous ordonner, proclamer, oh alléluia, que la corruption s'en aille et que Seigneur, oh Dieu, la santé parfaite, oh Dieu, que l'ange de Dieu souffle, que l'ange de Dieu souffle, que l'ange de Dieu souffle et sur l'oreille, et sur la tête, sur les yeux de cet enfant et qu'elle vive au nom de Jésus-Christ. Père, peu importe Seigneur, oh Dieu, l'origine, la provenance, raison d'être, maladie ça, oh Dieu, qu'elle capable, qu'elle t'est provenue Seigneur, de péché, de maman, de péché, de papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous accorder grâce et miséricorde, nous accorder grâce et miséricorde, oh Dieu, à cet enfant, pour qu'elle vive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est par les mérites du calvaire, c'est par les mérites du calvaire, c'est par les mérites du sang versé et des meurtrissures de l'agneau, oh, selon qu'il a été écrit, il a été frappé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix à Widmeyer et Jean-Charles est tombé sur toi, Seigneur, et par tes meurtrissures, il est maintenant guéri, délivré de cette corruption, de cette infection, oh Dieu, des oreilles, des yeux et toutes les cellules qui t'ont affecté, ils ont déjà régénéré et les guéri et nous proclamer la vie, nous souffler le souffle de vie sous lui, nous souffler le souffle de vie et sous Timoun ça, et que l'ange de Dieu, l'ange de l'Alliance, souffle Seigneur, oh Dieu, la vie, la restauration, la régénérescence sur les cellules des oreilles, des yeux, du cerveau de cet enfant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 alléluia. À toi, Saint-Père, la gloire, à toi, nos hommages, à toi, la louange. Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu parmi l'épouse, tu es Dieu au milieu de nous, tu es vivant et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom, oh Dieu, soit glorifié et glorifie ton épouse, Père, afin que ton épouse te glorifie. À toi, Saint-Père, la louange, nos hommages, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Thank you.
Alléluia. Au besoin, prend conscience de sa bon Dieu fait de vous. L'une des choses qui est importante, chers soeurs, chers frères, la marche là, dans votre communion avec le Seigneur, au besoin, et coller sous Jésus, puis plus chaque jour. Coller sous Jésus. Marcher, puis près de marcher et coller, serré avec elle. Je nous tape partager ça avec vous un matin. Hein? Ça va où? Et plus assurance. Et ça révélé à cœur. Les secrets de Dieu et qui sont là et pour votre bien-être. Jodia n'a vive un temps et pour nous dire que bon Dieu n'est pas un Dieu historique. Songez, c'est moi-même avec vous qui pour montrer que le bon Dieu historique. C'est moi-même avec vous qui pour prouver au monde que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pas Pierre Boyau qui a fait ça. C'est pas l'enmer. C'est moi-même avec. Grand pile est parmi moi. Des jeunes filles, des dames mariées, des frères qui, sans le monde parrain, ils comptent qu'à tourner Jésus. Graduellement devant yo là. Parole là en train de tourner moun. Parole là a tourner moun. Devant yo là. Le monde a marché vers fin. Lorsque semence qui était tombée en terre vers l'an 30 de notre ère. Lorsque même semence ça à la fin des temps. Dans fin âge gentil, yo, même seulement ça, tourner debout sous terre encore, alors c'en est fait pour la terre. Les semences qui t'ont mis à terre, le grain de blé qui est tombé en terre, et ce jour-là, ce vendredi saint, et de Pâques, lorsque même grain de blé ça, il tourne moun sous terre encore. Dans une série de jeunes filles, non série de dames, non série de personnages, non série de jeunes garçons, non série de personnages. Eh bien, le monde, t'as doué qu'à comprendre, t'as doué qu'à ouais, que c'en est fait pour yo. Parole là, ticras, pas ticras, petit à petit. Parole là, à tout le monde. À nous être collés sur Jésus-Christ, à nous faire yon avec. Parce que, mettre là, en laissant la terre lui dit et parole ça yo. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. On va fouler le lionceau et le dragon. Vous marcherez sur le lionceau, vous foulerez la spique. Et même gens que tout pouvoir baille à lui-même dans le ciel et sous terre, et bon pouvoir ou même pour lier. Et tout sont lié sous terre, l'appel lié dans le ciel là. Toutes sortes déliées et sous terre. Lui-même, l'a délié dans le ciel. Voyez-vous? Qui ça, ça veut dire? Ça veut dire le maître, le Dieu tout-puissant, d'où malé, malé, désormais, et chahela, pouvoir, autorité, c'est dans mon lié. Au sous terre, moi-même m'appelle, m'dépend de où pour magie. Sauf fait, c'est lui m'a confirmé en haut. Alléluia. C'est ça la révélation, chers frères.
Jodia, Jésus dépend de vous pour l'agir. C'est son fait ici. C'est son déclaré que Jésus-Christ a confirmé dans le ciel là. Il mettait sous la plume de son prophète alliance que le fait avec là. Ou même ou gagné pour prononcer parole là. Voyez-vous? Ou dit bagaille là. Et puis lui-même l'a complimé, l'a confirmé, l'a appliqué, l'a manifesté. Donc voyez-vous, c'est vous-même qui pour prouver que Jésus-Christ il est ressuscité. C'est vous-même qui pour bailler au monde ce témoignage que Dieu n'est pas un Dieu historique, que le temps des miracles n'est pas passé, que la guérison divine n'est pas une chose historique, que Apotio t'est fait là-bas du temps de la Bible. Mais c'est une affaire, eh bien, c'est une chose qui est encore d'actualité. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps est venu pour que l'épouse du Seigneur soit glorifiée et que lui-même en retour, lui glorifier son maître, lui glorifier son Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenez donc conscience de soyez de sa bon Dieu fait de vous et de responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le nom du Dieu est vivant, le nom du Dieu tout-puissant et soit béni. Amen. Amen. Non, eh bien, l'atmosphère ça invitez-vous à recevoir, eh bien, le cuisinier Seigneur pour asseoir, le frère Jean-Romy Domersan, et qui pourrait parler avec nous de ce sujet, comment prier selon la volonté de Dieu. Comment prier selon la volonté de Dieu, ce sujet ça, et que et frère nous, frère Romy, et pourrait le partager avec nous. Nous invitez-vous, eh bien, et prêtez oreilles, bah attention, hein, tandis que au loin, hein, eh bien, nous souhaitons la bienvenue et nous demandons pour la précaution, bah attention, et emmagasiner pour l'appliquer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et bienvenue au Saint-Esprit de Dieu, bienvenue à frère non, frère Jean-Romy Domersan. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et que la joie du Seigneur sera ta force et sera votre force. Que la joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur est ma force. Que l'harmonie de Dieu règne sur votre foyer et que l'amour de Dieu habite en vous. Dieu est la source d'approvisionnement de chaque croyant. Eh bien, le Seigneur Jésus est la source d'approvisionnement de chaque croyant. Et soyez bénis richement au nom de Jésus-Christ. Et nous comptons pour nous et avec vous encore à soir dans la présence bénie de Jésus-Christ. Et quel que soit que tu attendez nous, on va participer dans ce salon spirituel. Et que toutes les riches bénédictions des cieux est capable couvrir vous, capable environner vous, capable inonder cœur. Et soyez bénis richement et sans arrêt et abondamment. Et nous mettez-nous à lire rapidement la précieuse parole de Dieu. Tandis que thématique nous assoya, sujet que nous va gagner avec vous assoya, et c'est comment prier selon la volonté de Dieu. Comment prier selon la volonté de Dieu. C'est ça qui est sujet nous assoya. Mettez-nous à lire rapidement dans 1 Jean 5, verset 14 et verset 15. Nous lisons ainsi. Nous avons auprès de lui cette assurance
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Que Dieu est capable et béni, et Dieu est capable d'ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Eh bien, nous avons eu le week-end qui s'est passé là, vendredi passé, et mercredi passé, nous avons parlé sur et voici l'époux aller à sa rencontre. Et le Seigneur Jésus, il était bâillé parabole ça, en tant que le fils et de l'homme, et manifesté en alpha. Le fils de l'homme manifesté en alpha, lorsqu'il prend le chemin du calvaire, avant de prendre le chemin du calvaire, en l'an 33 de notre heure, et pour te bailler ville comme rançon, pour te payer d'être péché noyo, il était seulement bailler parabole là, mais il n'est pas expliqué parabole là, même j'en compte faire pour disciples en particulier. Eh bien, et le Dieu suprême qui pral visiter la terre à travers son serviteur William Marion Branham, le messager finaliste, eh bien, il pral et voyer explication parabole ça pour nous. Nous les prophètes là enseigner les ailes de l'église, les venir avec et parabole ça, il pral expliquer parabole là dans sujet ça les 10 vierges et ou après leur lit et brochi ça ou après il y a bagarre ou pas cassé trop bien là-dedans ou capable un petit Jean flou ouais mais lorsque le fils de l'homme les manifester en oméga et bien après l'ouverture des sept sceaux ou après prophète là les baou depuis la révélation sept sceaux depuis la septième soa rivé jusqu'à 1965 ouais prophète là les baou et bien et parabole ça bien détaillé alléluia bien détaillé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement, sans arrêt et abondamment. Nous voyons que nous explications parabole ça clair, c'est après l'ouverture des sceaux. Voyez, c'est après l'ouverture des sceaux et puis dans septième soir et depuis là nous commencer nous gagner explication parabole ça. Eh bien, les fils de l'homme, les bail parabole là en alpha, il briser parabole là en oméga, hypothèse explication, interprétation parabole là en fils de l'homme manifesté et en oméga et c'est-à-dire en dans serviteur William Marion Branham. Et à soya n'a pas rentré dans travail nous, n'a pas les sur comment prier selon la volonté de Dieu. C'est de ça que nous a parlé là à soya. Et bien nous avons un sujet là qui est extrêmement vital et nous sommes certains qui appétit l'eau. Et tout au long voyage là et thématique ça sujet ça que la pitié l'eau. Eh bien la Bible nous dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voyons que et adoration que Dieu les recevoir adoration, vrai adorateur, yo adore Dieu en esprit et en vérité, car Jacques 4, 24 nous dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous, adoration que Dieu est accepté, adoration qui nourrit Dieu, parce que le prophète nous dit, Dieu nourrit de l'adoration. Adoration qui se plat métabolique que Dieu mange ya. Alléluia. Quel plat qui gagne toute valeur nutritif là-dedans qui pour nourrir Dieu ya, eh bien son plat métabolique ça qui c'est adoration, il doit fait en esprit et dans la vérité. S'il pas fait comme ça, adoration ça, il pas monter vers Yahvé. Alléluia.
Il pas monter vers Yahvé, car la Bible nous dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et dans la vérité. Amen. Et deuxième bagaille n'a prend rapidement là, nous gagne offrande. Offrande. Eh bien, la Bible nous dit, lorsque vous présentez offrande à l'Éternel, si vous songez, vous gagnez quelque chose, quelqu'un, ou elle est, qui lié dans le cœur, qui c'est pour le réconcilier avec avant, mettez offrande devant l'autel là. Dieu qui nous a servi à son Dieu qui est patient. Et s'il n'est pas patient avec nous, pas de nous qui t'a sauvé. La Bible nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, alléluia, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ouais, offrande là, pour porter le bail Dieu, c'est pour cœur propre, c'est pour cœur pur. Eh bien, si vous songez dans le cœur, bon monde, pendant que vous allez porter offrande là, vous arrivez devant l'autel là, amen, avec offrande là dans le cœur, il y a un monde, il y a quelqu'un qui lié, déposez offrande là devant l'autel là, à le réconcilier. Après ça, on va bailler Yahvé et Yahvé il a accepté le nom. Nous avec adoration que Dieu recevoir, il doit faire selon la volonté de Dieu. Ouais, il doit faire en esprit et en vérité. Est-ce pourquoi l'offrande Caïn n'est pas ton une offrande qui était faite, amen, en esprit et dans la vérité, il n'y a pas de révélation là-dedans, Dieu pas accepté. L'offrande appelle la fête en esprit et dans la vérité, avec la révélation de la parole, Dieu accepte. L'offrande manorak là, Dieu accepte. Maintenant, nous avons offrande là pour Dieu accepte. Il faut que tu aies propre. Pour adoration là, vivre vers Dieu, faut adoration là, les fête en esprit et en vérité. Maintenant, troisième chose là, n'a pas là, qui c'est sujet nous, comment prier selon la volonté de Dieu. Eh bien, pour commencer, la prière, c'est chercher la face de l'Éternel. Lorsqu'on prie, c'est chercher ou chercher la face de l'Éternel, parce que vous connaissez bien, après la chute d'Adam et Ève, l'homme perdu la face de l'Éternel. L'homme perdu la face de l'Éternel, maintenant, pour trouver la face de l'Éternel, pour retourner dans la présence de Yahvé, et il y a un moyen que Dieu mettait pour ça, c'est la prière. La prière, c'est chercher, alléluia, la face de l'Éternel. Lorsqu'on prie, qui ça qui va faire? On va chercher la face de l'Éternel, soit que pour jeûner pardon, pour jeûner la miséricorde de Dieu, ou bien pour intercéder pour quelqu'un, ou bien pour demander Dieu pour faire quelque chose pour vous. Amen. Nous voulons considérer trois choses ça là. L'on a prié, n'a cherché la face de l'Éternel. Premièrement, nous prier pour nous chercher la face de l'Éternel, pour l'Éternel tout nous regarde sur nous, pour faire nos grâces, pour le pardonner nous, pour le pardonner toute iniquité nous yo. Pour nous joindre pardon pour péché nous yo. Deuxièmement, nous capables à intercéder pour quelqu'un. N'a prié, n'a cherché la face de l'Éternel pour que Dieu lui pardonne un tel ou une telle de telle chose, ou que pour Dieu lui épargne un tel pour le couvrir un tel. Amen. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous capables de prier Dieu tout pour nous demander quelque chose. Amen. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Maintenant, comment prier selon la volonté de Dieu? Nous lisons Jean 5, verset 14 et verset 15. La Bible nous dit là, nous avons assurance ça auprès de Dieu.
Amen. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Nous, si nous adoration pas faite en esprit et dans la vérité, Dieu pape nourrit des adorations ça. Amen. Il n'est pas un plat métabolique pour Dieu. Alléluia. Si offrande là ou porter le bail Yahvé, eh bien dans le cœur quelque chose qui lié, Yahvé pas précieux voile. Maintenant si prière là tout n'est pas faite selon la volonté de Dieu, ou quand fait 40 jours, 40 nuits, ou abjene, ça pas rien pas changé. Alléluia. Et amen. Amen. Pendant qu'il nous dit ça tout, la prière c'est chercher la face de l'Éternel. La prière c'est rentrer dans communication avec Dieu pour changer ça qu'on veut changer. Amen. Pour changer, amen, ça que vous voulez changer dans la vie ou bien dans la vie ou l'autre monde, eh bien, c'est pour ça que nous prions Yahvé. C'est pour ça que nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Dis, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute, c'est-à-dire, il a exaucé nous. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas gréé de maintenant. Eh bien, amen. Eh bien, je continue pour le dire là. Il dit, si nous connaissons que Dieu a écouté nous, quelque chose que nous mandel, amen. C'est pour nous croire tout que nous possédons. Nous prions selon la volonté de Dieu. Premièrement, ça a mandé, faut gagner le sixième sens. Qui c'est la foi. Faut gagner le sixième sens, qui c'est la foi. Deuxièmement, ou besoin prier avec la parole de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le messager finaliste, le prophète du temps de la fin, la porte-parole de Dieu. Amen. Dans le dernier temps, il dit nous, la foi, c'est le sixième sens. Dieu a doté l'homme de cinq sens pour qu'il entre en contact avec sa demeure terrestre. Dieu a donné l'homme cinq sens pour qu'il soit capable de rentrer en contact avec la demeure terrestre là. C'est-à-dire, ça qui est autour de lui. Amen. Ça qui est autour de lui. Ça nous capable de voir avec Dieu nous. Ça nous capable de toucher avec corps nous. Et ça nous capable, eh bien, tendre, etc. Les cinq sens. Amen. Dieu ban nous pour nous rentrer en contact avec demain terrestre. Vous n'entrez pas en contact avec Dieu par vos cinq sens. Avec cinq sens, ça y est, qui n'a corps animal là, ou bien corps terrestre là, nous pas capables de rentrer en contact. Amen. Nous pas capables de contacter Dieu à travers cinq sens, ça y est. Avec sens, nous capables de contacter Dieu. Vous pouvez la continuer pour le jour. Vous connaissez Dieu par la foi. Par la foi qui est le sixième sens. Pour contacter Dieu. Amen. Pour contacter Dieu. Ou pas faire avec cinq sens. Ou contacter Dieu par la foi qui est le sixième sens. Nous avons prié selon la volonté de Dieu. Ou besoin de gagner premièrement. Là, émettre le sixième sens. Sixième sens là, qui c'est la foi parfaite. La foi du troisième poule. La foi capable de changer les circonstances. La foi capable de changer le temps. Alléluia. Et deuxièmement, vous avez besoin de la parole de Dieu. Est-ce pourquoi le Seigneur Jésus, il va dire nous là, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon
la parole de Dieu, Dieu a tendu nous, Dieu a écouté nous, Dieu a exaucé nous. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Amen. Porte-parole dans la fin. Il dit là, la prière change les choses. Elle change la mort en vie. La prière change les circonstances. Amen. La force la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme, c'est une prière sincère offerte à Dieu. Alléluia. Amen. 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 N'a pas pris ça pour vous. La force la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme, c'est une prière sincère offerte à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Croyez-le. Et c'est cela, amen, et c'est cela une fois, et voyez si ce n'est pas vrai. Amen. Faites la Dieu, la force la plus puissante, voyez, la force la plus puissante que Dieu, amen, li mette nan men yon homme, li mette nan men yon femme, li mette nan men yon servante de Dieu, dans mon serviteur de Dieu, dans mon fils de Dieu, dans mon fille de Dieu. Amen. C'est une prière sincère offerte à Dieu. C'est-à-dire une prière qui fait selon la volonté de Dieu. Vous faites là du Jésus, il dit ça. Si nous demandons quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. M'a fait lui. Vous faites là du est-ce qu'on croit ça? Et c'est une foi à l'essayer. Ouais, c'est samedi, elle pas vérité. Amen. Alléluia. Amen. À l'essayer offrir à Dieu une prière sincère. Amen. Une prière sincère à Dieu pour voir si Dieu ne va pas exaucer ou. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Amen. Le messager nous dit. Le messager nous dit, dans les œuvres que j'ai faites, rend témoignage de moi. Vous faites la dit, si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, priez pour moi. C'est le 3 points de suspension. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez. Priez pour moi. Parce que je sais que la prière change les choses. Elle change même la pensée de Dieu sur des choses. Elle change le programme de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, nous rappelez-nous que frère Guy te prêche un message. La prière change les choses. Amen. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Le croyez-vous? Dieu peut dire une chose. Ça va arriver comme cela. Et la prière va changer sa pensée là-dessus. Amen. Dieu est capable de dire un bagage qui peut arriver. Mais parce que vous prenez position pour intercéder, vous prenez position de prière pour changer ça, eh bien, prière qui est sincère. Alléluia. Vous avez deux bagages qui font prière sincère. Premièrement, vous avez le sixième sens, la foi parfaite, la foi du troisième poule. La foi que pape fait bac, la foi que pape bat bas devant les circonstances, devant les événements, quel que soit allé à gain face ou la foi troisième pour là, il pas bat bas. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Et deuxièmement, qui sont gagnés, ou bien la parole écrite révélée qui n'a même. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le premier croyant. Il finit de prononcer la parole. Il finit de prononcer la parole. Là. Il croit et il tente qu'il accomplit. Il y a des choses que Dieu a créées. Par exemple, les délimineurs. La Bible nous dit, le prophète nous dit alors,
Ça prend 2 milliards d'années pour venir à l'existence. Mais il est premier croyant. Alléluia. Il croit propre parole. Li. Nous voyons que prier selon la volonté de Dieu, c'est gagner le sixième sens, c'est gagner la foi du troisième poule, et deuxièmement, c'est prier avec la parole de Dieu. Parce que Dieu respectait sa parole. Amen. Le prophète nous dit, après ça pour encore, l'amen, la force la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme. Amen. Entre les mains d'une femme. Alléluia. C'est une prière sincère offerte à Dieu. C'est plus gros bagage que Dieu est capable de mettre dans la main. Amen. Alléluia. Une prière sincère. Une prière sincère que vous offrez à lui-même. Parce que vous faites la Dieu là, si il y a quelque chose que vous avez fait pour lui. Quelque chose que vous avez fait pour lui. Quelque chose que vous avez fait pour lui. Qui t'a fait qu'elle compte en pile. C'est prier pour lui. Parce qu'il connaît. Prière capable de changer des choses dans la ville. Alléluia. Il connaît, c'est pas. Ou gagne sous cœur pour faire le cadeau quelque chose, mais moyen limité. Mais il connaît une prière sincère, au fait à Dieu, pas gagne qu'à bloquer ça. Une prière qui fait avec la foi du troisième poule, pas gagne qu'à bloquer ça. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit magnifié. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Pour faire la continuer le Dieu. Les meilleurs médecins de là en Afrique du Sud et en Angleterre avaient dit à Madame Florence Nightingale qu'elle était un cas désespéré. Mais elle est là. Alléluia. Mais elle est là. La prière change les choses. Alléluia. Amen. Les meilleurs médecins de là en Afrique du Sud et en Angleterre, alléluia, avaient dit à Madame Florence Nightingale qu'elle était un cas désespéré. Vous pouvez la dire, mais elle est là. Elle est là. Alléluia. Mais Lila, je dis à Lila, dans les prophètes là, parler à Lila, la prière change les choses. Amen. Alléluia. Témoignage que l'épouse là, il gagne déjà. Nous avons prié selon la volonté de Dieu, c'est prier avec la parole de Dieu. Amen. Eh bien, la prière, lorsque vous avez prié, prière, pas de prière de compétition. Amen. Ou pas de prier. Ou pas de prier parce qu'on a une compétition avec quelqu'un. Si c'est comme ça que vous priez mal. Ne priez pas pour concurrencer quelqu'un. Pas prier pour entrer dans la concurrence avec un monde. Mais c'est pour prier, pour changer ça qu'on voulait changer dans la vie. Lorsqu'un monde a prié, le premier cantique il prend, Seigneur, Seigneur, on va frapper, on va prier, ou le wash là, ou le wash là, pour méchant, ou gars qu'on essaie, ou qu'on délivre. Nabdiou, l'ennemi fatal. Amen. Lucifer, maintenant, appelé Satan, le diable. Il connaît bien même puis bien passé que c'est Dieu qu'on lève défi, que c'est Dieu qu'on déplace montagne, que c'est Dieu qu'on fait ceci, fait cela. C'est Dieu qui crée toutes choses. Il connaît ça déjà. Alléluia. Et ennemi on a tout le connaît qu'il est ce qui bon Dieu a tout. Il connaît ça Yahvé qu'on fait. Est-ce pourquoi l'on a prié? Prier selon la volonté de Dieu, c'est analyser qui sont dans la vie ou besoin de changer. Mais pour qui ça qui m'a prié? Mais ça me l'a changé dans la vie. Ou elle est
mais pour qui monde qui m'a intercédé. Alléluia. Mais comment me grandir dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Lorsque vous priez comme ça ou dans les besoins et vous allez au nom de Jésus-Christ, et la Bible nous dit priez en tout lieu. C'est pas lieu de prière qui a répondre prière. C'est pas lieu de prière qui a fait Dieu exaucer. Mais ça qui a fait Dieu exaucer prière, c'est lorsque prière est faite selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Priez selon la volonté de Dieu. Placez toute votre confiance, non pas dans les choses créées, mais dans le Créateur, la seule source éternelle de toutes choses. Alléluia. Placez toute votre confiance, non pas dans les choses créées. Amen. Mais dans le Créateur, la source éternelle de toutes choses. Pas place, l'a prié Dieu selon volonté. Ou pas doué imaginer à penser à les choses qui autour de vous-même. Mais fixer regard sur le Créateur de toutes choses. Pas fixer regard sur sa créé. Pas fixer regard sur quelqu'un. Mais fixer regard sur le Créateur pendant que vous connaissez la parole de Dieu pas jamais prononcée pour le rester sans effet. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Pendant que nous allons approcher vers la conclusion nous là, rapidement, nous allons lire quelque chose pour là, dans Ésaïe. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Nous voulons ça rentrer dans la matrice spirituelle. Et parce que, et avec travail ça, nous sommes certains qu'il y a un pile bagaille qui a changé dans la vie. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10 et verset 11. Nous lisons ainsi. Comme la pluie et la neige descend des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous que prophète Esaïe, le Dieu suprême, lui dit là, mon frère, ma soeur, même Jean l'a plié avec neige là, a fixé. La parole de Dieu pas jamais prononcée pour ne pas accomplir. Ça que Dieu te dit dans la promesse là. Amen. La parole de Dieu pas jamais rété sans que pour ne pas faire effet sur la vie chrétienne. Il pas jamais rété sans que pour ne pas changer quelque chose. Leur prononcer par leur prier avec la parole. La pas accompli ça que vous m'en dit. Et vous avez un résultat prière. Si son défi qui devant qu'on y a. Si son défi qui devant. Et l'esprit que nous recevons en ce temps du soir, en ce temps de la fin, c'est l'onction de lit. Et l'onction de lui, son l'onction qui remet les défis. Son l'onction qui pas battre bas. Mais qu'on y a si son défi qui devant ou, et fort ou level, laisse ou pas prier pour faire mon ouais, ou pas prier par passion, ou pas prier même par concurrence, ou pas prier parce qu'on a une compétition avec quelqu'un ou quelqu'une, mais on va prier parce que vous voulez changer quelque chose dans vous-même, parce que vous avez un défi qui est devant vous, et il faut que le défi soit levé parce que vous recevez l'onction de lui. Nous avons 450 prophètes Baal et 400 prophètes d'Astarté devant celle Élie, le prophète. Eh bien, vous avez un défi pour te lever. Et Élie, l'onction que vous avez, il
li levé des filles. Alléluia. Nous avons pendant que dressé l'autel, la Bible dit jusqu'au soir, les prophètes Baal et d'Astarté, y a pris les Baal, Baal va pas venir. Mais là, il arrive au midi, il dit vers trop simacri, va montrer Israël, les dieux d'Israël. Va Israël reconnaître bon Dieu encore une fois. Bien la Bible dit, les Élie fait dresser l'autel là, mandé pour vider de l'eau. Élie n'a levé deux mains en l'air pour dire Yahvé de gloire, les dieux suprêmes, de tout en tout, ou même qui vont changer les choses. Amen. Pendant que Élie a prié, il n'a pas même fin prier. La Bible dit, eh bien, du feu descend, il consume l'autel là. Alléluia. Eh bien, Israël reconnaît bon Dieu. Et il levait des filles. Et Israël retournait vers le Dieu suprême, vers son Créateur. Est-ce pourquoi, Assoya, si son défi qui devant, l'onction qu'on recevra, c'est l'onction d'Élie, faut qu'on lève. Amen. C'est où pour lève. Alléluia. Parce que la prière change les choses. Alléluia. La prière change les choses. Pas gen rien pour porter devant Dieu. Et lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, pour Dieu rester avec bras croisés, pour ne pas exaucer prière. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Pour nous terminer rapidement, le prophète finaliste, eh bien, il y a un monde qui te dit prophète là. Il dit frère Branham, ou menti. Il dit prophète là, ou menti. Frère là dit non, pas menti. Il dit prophète là, comment sentir? Eh bien, prophète là dit, eh bien, moi senti Jean qui la foi mienne. J'ai la foi mienne, c'est qu'on s'am sentim. Eh bien, il dit prophète là, ou menti, prophète là dit non, pas menti. Prophète là dit, moi crois, alléluia, chaque promesse dans le livre là. Amen. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, je crois. Amen. Moi crois. Moi crois chaque verset, chaque chapitre, chaque ligne. C'est pour moi croyou. Alléluia. Vous voulez dire qu'on seul bagage que nous capable faire. C'est seulement croire que nous capable croire. C'est seulement ça que nous capable faire. Et tout bagage possible à la prière. Ou qu'a changer ça veut changer ya. Ou qu'a défaite ça que vous voulez défaite là. Toutes les fois que vous prier selon la volonté de Dieu. Nous avons qu'il l'appli, il n'est pas jamais tombé. Amen. La neige, il n'est pas jamais tombé sans qu'il pas arrosé la terre, sans qu'il semeille, il va jouer une semence, pour y semer, sans qu'il pas faire féconder la terre, faire féconder les plantes, sans qu'il pas bailler nourriture à toute chair. C'est comme ça les promesses de Dieu. Chaque verset, chaque chapitre, chaque ligne, c'est pour nous. Priez selon la volonté de Dieu et on va changer ça que tu es devant là depuis la nuit des temps. Les bagailles qui devant on pas de changer lui. On seule raison que fait ça. Et c'est pas prier ou pas prier. Ou prier, mais on pas prier avec la parole de Dieu. Ou pas prier selon la volonté de Dieu. Ou pas prier avec la foi du troisième poule. La foi qui pas fait bac là. La foi qui pas qu'on défaite là. La foi tout autant le pas jeune nous mort. Alléluia. De la part de Dieu. Amen. Qui pas bail vague là. Amen. Tout amen. Lorsqu'on a prié dans la dimension ça, eh bien on a vu un résultat. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Et sans arrêt et abondamment, encore, que la joie du Seigneur sera ta force. Que la joie du Seigneur sera
votre force. Que l'harmonie de Dieu règne sur votre foyer. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement, sans arrêt et abondamment. Shalom, shalom. N'a pas continué pour après. Les promesses de la Bible sont pour moi. Chaque verset, chaque chapitre sont pour moi. Car mon sauveur est mort sur la croix. Les promesses de la Bible sont pour moi. Les promesses de la Bible sont pour moi. Chaque verset, chaque chapitre sont pour moi. Car mon sauveur est mort sur la croix. Les promesses de la Bible sont pour moi. Oui, les promesses de la Bible sont pour moi. Chaque verset, chaque chapitre sont pour moi. Alléluia. Car mon sauveur est mort sur la croix. Les promesses de la Bible sont pour moi. Oui, les promesses de la Bible sont pour moi. Alléluia. Chaque verset, chaque chapitre sont pour moi. Car mon sauveur est mort sur la croix. Les promesses de la Bible sont pour moi, oui, les promesses de la Bible sont pour moi. Chaque verset, chaque chapitre sont pour moi. Car mon sauveur est mort sur la croix. Les promesses de la Bible sont pour moi. La prière change les choses. C'est pourquoi il faut toujours prier. C'est sur Christ que je me repose. C'est lui qui est mon haut. Oui, la prière change la chose. C'est pourquoi il faut toujours prier. C'est sur Christ que je me repose. C'est lui qui est mon haut. Oui, la prière change la chose. C'est pourquoi il faut toujours prier. C'est sur Christ que je me repose. C'est lui qui est mon rocher. C'est sur Christ que je me repose. C'est lui qui est mon haut. Oui, c'est sur Christ que je me repose. C'est lui qui est mon rocher. Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La prière change les choses. La prière, l'instrument le plus puissant que Dieu pas de jamais intimité dans main ayant être humain. La prière est cet instrument ça qui est si puissant qu'elle est capable de changer la pensée de Dieu, qu'elle est capable de changer eh bien la décision de Dieu sur un cas, sur une situation, sur la vie d'une personne. Noël, la pensée de Dieu a été changée
sur le roi Ozias. Un roi ça qui était doué mourir. Roi ça que porte-parole, bon Dieu, côté la commission Bali, lui disant que Dieu allait reprendre sa vie. Lui disant que le Dieu Tout-Puissant t'est décidé là pour voyer là le reposer, pour voyer là le temps, pour voyer là le joindre et sa père qui était dans le séjour des morts, dans le paradis de Dieu. Donc, lorsque, Wassa, il était tourné face vers le mur, était prié avec sincérité, était prié avec cœur, avec larmes. Non, ouais. Et ce même prophète de Dieu, ce même roi de Dieu, et porte-voix, bon Dieu, il peut quand même quitter la croix. Parole l'Éternel t'est adressée à lui-même tout de suite pour retourner à l'Diwa. Eh bien, ok, m'tend des prières, m'changer pensée, m'changer, et disposition que m'te prend pour entrer à. Ou pas mourir encore, ou pas continuer à vivre. Alléluia. La prière change les choses. La prière change effectivement les choses. Car des hommes, des femmes, et parmi nous, il y a longtemps été doué et aptan à reposer, mais par la prière qui a été offerte, par la prière et d'intercession, mais là, il y a vivre et il continue à servir bon Dieu. La prière change les choses. La prière change les destins. La prière change, le destin des hommes. Il y a des mouns, destin yo t'es déjà pris un mauvais tournant, t'es déjà pris un mauvais courbe. La prière d'intercession, la prière sincère, offrie à bon Dieu, fait que bagay yo changé. Nous bénis le nom du Seigneur pour cet instrument. Nous bénis le nom du Seigneur, pour des mouns qui te doivent mourir, des mouns qui te doivent frapper, des mouns, c'est vrai que tu fais des autres vrais. Yo te commettre erreur vrai, yo te doivent frapper vrai. La prière d'intercession a changé les choses. La prière, il fait bon Dieu, il fait la main de Dieu que tu es enlevé pour frapper. Ou tu fais mal vrai, ou tu es fautif vrai, ou tu es coupable vrai, toutes conditions tu es réuni, mais bon Dieu tu es enlevé pour frapper. La prière d'intercession fait main ça descendre. Et elle descend, il va même descendre droite. À l'en place li, c'est sous tête ou le passé, mais les mains abdescendent, mais que t'es levé pour frapper là, les abdescendent, et bien le passé, mais sous tête ou, les petites filles, petites garçons, moi faut grâce, allez, recevoir force moi pour pas continuer encore. Alléluia! Quelle merveille, quelle bonne chose, et est-ce la prière? C'est pourquoi, chers frères, nous devons continuer à prier. De continuer à chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu dans la prière, et surtout, songez pour nous prier et selon la parole de Dieu. Songez pour nous prier avec la parole en main. Songez pour nous prier et dans la prière, nous, pour nous chercher la volonté de Dieu et pour nous prier selon la volonté de Dieu. C'est ça qui fait que nous ne pas prier des prières d'échec, des prières qui ne seront pas honorées, des prières qui ne seront pas exaucées, parce que nous prions selon la pensée même de Dieu, selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur vous comble, nous apprécier la grâce que Dieu accorde nous à travers son ministre, mais qui portait dans le moment de communion nous, et sa parole à nous-mêmes, pour réchauffer cœur nous, pour ba nous une vision claire de route là, de qui Jean pour nous avancer, qui Jean pour nous marcher, qui Jean pour nous considérer la chose. Voyez-vous, nous dans bon station. Nous dans bon station et toutes conditions réglées déjà, et toute disposition prend déjà et nous seulement attendre très matin. Nous recevoir porte-parole bon Dieu et nous trouver nous dans une vraie bergerie avec un vrai berger. Que le Seigneur fait nous cadeau. Et nous là, dans une bonne station. Et nous rappelons, selon la parabole des noces, les conviés, et si là, vous êtes invité dans la noce là, vous êtes dû recevoir une robe. À la porte, vous êtes dû recevoir une robe. Et robe, ça, c'est lui-même qui te garantit accès
à sale noce là. Et je dis à et sale noce là, eh bien, et sale qui a préparé moun pour aller dans noce là, côté ou à recevoir robe là, côté ou à recevoir robe là, porte côté ou à recevoir robe là, c'est un vrai ministère envoyé de Dieu. C'est un vrai ministère commissionné par Dieu, envoyé par Dieu, placé par Dieu dans cette zone, dans une ville, dans une zone bien précise, placé par Dieu pour faire le travail, pour filer wob là-bas. Et je dis à nous autres, dans le salon spirituel, n'a pas répété pour un énième plus une fois, un diacre tel que Samy et Jodia n'existe pas. Le diacre n'existe pas. Le diacre existe parce que Gagné est un pasteur et que l'a pas servi. Diacre là, c'est extension pasteur. Diacre là, c'est prolongement pasteur. Diacre là, pas une identité propre. Faut nous bien songer ça, yo. Faut nous bien comprendre ça, les amis, pour ne pas placer bagay yo côté au bail. Un diacre, c'est l'extension d'un pastorat. À lui seul, il n'y a pas d'identité. Donc, ici à là, le travail qu'on constate que le Saint-Esprit a fait dans le salon spirituel, nous disons, et c'est vrai, certes, c'est une communion, et bien interassemblée, il y a plusieurs assemblées là. Mais nous, et qui est là, qui a organisé ça, qui a parlé là-dedans. Nous, c'est, eh bien, prolongement voix, et frère Guillamotte, ici. C'est pour ça, ou pas, j'entendais, yon bagay ici, que frère Guillamotte, lui-même, pas quoi. Ça, il faut que l'y clair pour tout le monde. Et souvent, on comprenne, il y a des bagay ou tendez, il y a des bagay ou recevoir, eh bien, ouais, et c'est monde qui mal comprenne. C'est monde qui mal comprenne les choses. Donc, c'est un travail spirituel qu'a fait et c'est prolongement travail sacerdoce là qu'a fait ici. Donc, voyez-vous, sans se tendre à la, où est ces bagailles et moun qui réunit ce groupe pour distraire. C'est vrai, nous sommes dans un moment de communion. C'est vrai, c'est pas un culte solennel. Ou qu'on culte, ou qu'on forme, ou qu'on guise au fait. Mais on parle de l'Esprit de Dieu a travaillé sous nam moun qu'elle a préparé pour enlèvement là. On parle de ça l'a fait là. Pendant que l'Église pas qu'à réunir, le Seigneur a pourvu à cet instrument pour continuer travailler sous peuple, pour continuer préparer peuple. Et pour ça, il choisit des hommes que le te mette à part. Il choisit des hommes, eh bien, pour continuer, eh bien, filer ou obio. Préparer Wobbio, des eunuques qui a plongé Wob, Baye et Madame Wa. Alléluia. La prière change les choses. Et priez pour les hommes de Dieu, priez pour votre berger, votre pasteur, priez pour les ministres qui a, eh bien, dispensé parole là, droitement à vous-même. Priez pour l'œuvre de Dieu, priez pour le peuple de Dieu à travers toute la terre. Priez Dieu. Et le Seigneur nous sera favorable. Et qu'on sache, bon Dieu, à continuer à renvoyer, écraser ses cueils, continuer à renvoyer funérailles, renvoyer la mort, guérir maladies, des maladies même chroniques. Et bien, le Seigneur a débarrassé et monde de yo par votre prière. La prière change les choses. Il y a des yeux fixés sous mettre là. Il y a des yeux fixés, et bien, sous mettre là, sous promesse là. Car on a une bonne station. On a station et qu'on doit recevoir Wob Nos là, et bientôt, le train du matin, le train de l'enlèvement, elle va passer. Divin Maître, roi de gloire manifesté en Jésus-Christ, merci pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce. Merci Saint-Père, d'est-ce que nous te chitons en pied à soi, même Jean-Marie était chitons en pied pour te recevoir et ta sagesse, de recevoir ton enseignement, de recevoir ta parole. Seigneur, nous t'en pied ou t'as pour recevoir parole là. Seigneur, nous sûr et certain que parole ça, que nous t'attendez, eh bien, l'est déjà est sanctifié, l'est déjà sanctifié, l'est déjà assaini conscience nous, l'est assaini imagination nous, l'est assaini au Dieu subconscient nous. Parole ça qui a pouvoir pour sanctifier, pour nettoyer, et mon captandel, Seigneur, nous certain que travail ça a été fait dans nous. Parole là, c'est esprit et vie. Parole ça que nous t'attendez, que nous quoi? Que nous dit Amen à lui-même.
Mais que parole ça est comme semence capable rester dans nam nous et que le produit vibration la vie éternelle là et que le ban nous Seigneur au cet état d'esprit de prière au Dieu pour nous continuer à parfumer trop nous pour nous continuer à offrir offrande au Dieu prière sur autel au Père. Béni chaque frère, chaque sœur. Si là tu es malade Père, si là au Seigneur qui te doit mourir Seigneur par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous soufflez le souffle de vie, nous soufflez souffle la vie sur yo, que yo vive encore, Seigneur. Ou même qui te gen pouvoir et qui te ressuscité Lazare après 4 jours. Seigneur, oh Dieu, nous prions, Père, qu'on accorde une prolongation de jour, une prolongation de vie à tout ça, yo, Seigneur, qui te doué et traversé, à tout ça, yo, qui te doit aller prématurément. Seigneur, nous prions, Père. Que Seigneur, chaque ange malveillant, que chaque ange, Seigneur, ô Dieu tout puissant, il y a de malheur qui t'a brodé autour, et au de l'un de tes fils, de l'un de tes enfants, et tout, et ombre, au noir, Seigneur, chaque Seigneur, ombre de la mort, qui t'est plané sous Younanou, ô Dieu quelconque, et Dieu tout puissant, que l'ange de l'Alliance, que la glorieuse colonne de feu capable de venir et chasser toute ombre de la mort, chasser tout esprit de maladie et fortifier quoi nous, fortifier nos organes, nos muscles, nos articulations, ô Dieu, que nous capables de fortifier, rajeunir, et Seigneur, pour nous retrouver la vigueur, la force vitale, pour nous continuer à te servir, car Seigneur, tu nous as placés là, oh Dieu, dans fin temps, dans fin âge là, pour nous faire final là, et nous déterminer, Seigneur, pour nous faire final là, nous prier, Père, oh Dieu, qu'on fortifie nous, qu'on vigorifie, Seigneur, qu'on, Seigneur, rebaille de la vigueur, de la force, à Sayo, qui a affaibli, à Sayo, qui a perdu force, rebaille, oh Seigneur, de l'élan, rebaille un nouveau souffle, nous implorer grâce, nous prier, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu vivant, tu n'es pas seulement le Dieu de la Bible, tu n'es pas un Dieu historique, mais tu es le Dieu vivant, le Dieu qui libère, le Dieu qui change, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme, le Dieu qui renouvelle. Seigneur, renouvelez force nous, renouvelez santé nous, renouvelez détermination nous, renouvelez onction nous. Ô Dieu, nous placer, Seigneur, ton peuple partout côté que vous y est. Ô Dieu, ou même qui connaît situation yo, allez au secours de yo. Ô Dieu, oh changer et sort chacun de vous. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître, qui vit et qui règne au siècle des siècles, nous agiter ton nom, Seigneur. Nous agiter ton nom et ton sang sur ton peuple, partout, côté que vous y êtes, dans toutes les zones métropolitaines. Le sang de Jésus-Christ, le nom et le sang de Jésus, nous agiter sur ton peuple, nous agiter sous maison, nous agiter sous sortie, sous entrée. Nous placer au Seigneur en bas manteau protecteur, par ta grâce et pour la gloire de ton nom, nous prions Père. Amen, amen, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ, notre roi, soit béni. À lui seul la louange, nos hommages, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Septième âge, Radio Évangélique d'Haïti. Papi. C'est une radio qui vient annoncer deuxième venue Jésus-Christ et expliquer aux chrétiens cet âge de l'église. Radio, ça peut bien l'autre mission? Oh oui, chaque jour. N'a bien une émission évangélique qui a partagé en 3 parties. Comment y a-t-elle? Première, c'est Pèlerin Terrestre. Deuxième, non, c'est Salon Spirituel. Troisième, non, c'est Détente Spirituelle. Papi, moi, t'as l'air de connaître l'autre émission. Yo. A bien yon émission santé caprélé en nous parler santé, émission service caprélé vin nous garder ensemble parce que pas gen nation sans famille organisée. Qu'est-ce que pour nous faire pour nous joindre émission ça? Chaque monde a abonné pour yon inscrit sur page radio qui c'est www.rehradio.com. God bless you, church. Bon Dieu bénisse l'église. Frère Joe, c'est anglais ou parler qu'on y a? Oui.
grâce à 7e âge Radio Évangélique d'Haïti, toute porte l'école qui apprend mon anglais met ferme. Pour qui ça? Eh bien, les abonnés sur Radio ça, c'est ouais là-bas l'évangile en anglais qui a traduit en créole, ou bien l'évangile en créole qui a traduit en anglais. Laisse ça ou prend note et puis même connaissance ou vin en pile en anglais. Est-ce que ou ka ban mieux au service? Mais oui. Dimanche matin, après live assemblée jardinio, ou a branché sur l'église ça et nan aswe à 6h PM dans même dimanche là. Mardi soir 7h PM et jeudi soir 7h PM. Comment assemblée ça relé Frère Joe? Le relé Bride of Christ Tabernacle. Ça veut dire tabernacle épouse Christ là. Eh bien, nous en anglais net vrai. Bon Dieu, c'est pas facile ou à une radio qui a une plateforme parle. Google c'est nous, YouTube c'est nous, Facebook nous la pirade. Eh bien, mal abonné sur YouTube. Merci en pile Frère Joe. God bless you. Bon Dieu bénis Frère Joe.